Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Nous allons passer une dizaine de minutes ensemble. Je vais vous faire une petite présentation sur qu'est-ce que la gouvernance. Et c'est au bénéfice des centres de services scolaires de la Montérégie. Alors, voici quelques petites indications sur qui je suis. Je suis Lisanne Dosti. Je suis présidente d'un cabinet spécialisé en gouvernance qui s'appelle ISA Légal. J'ai presque de 30 ans d'expérience comme avocate et je suis aussi administratrice de société depuis plus de 25 ans. Alors, ma spécialité, gouvernance d'entreprise. Je suis comme tombée là-dedans il y a une trentaine d'années à titre d'avocate, secrétaire corporative et je suis avec vous pour vous parler de qu'est-ce que la gouvernance. J'enseigne aussi au Collège des administrateurs de la société qui est à l'Université Laval et je suis l'auteur de deux livres sur la gouvernance, comment démystifier la gouvernance. Survol de ce qu'on parcourt ce matin ensemble. Alors, l'intention de la nouvelle loi sur la création des centres de services scolaires qui a été instaurée par le ministère de l'Éducation du Québec. Pourquoi on voudrait siéger à un conseil d'administration? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez amener au conseil d'administration du centre scolaire? Et quel est le rôle d'un conseil, responsabilité et quelques conditions gagnantes? Alors, je fais un petit rappel sur qu'est-ce que l'intention du ministère d'Éducation sur la modernisation de la gouvernance scolaire. Alors, un des points principaux, c'est de dépolitiser l'ensemble de cette machine. Aussi, de rapprocher la prise des décisions par les personnes qui côtoient les élèves au quotidien et qui les connaissent très bien. Renforcer le rôle des parents dans la réussite éducative des élèves, mettre davantage à profit l'expertise du personnel et s'assurer de préserver l'implication de la communauté. Alors, c'était l'intention de la nouvelle loi sur la modernisation de la gouvernance scolaire. Alors, en quelques mots, si je vous résume, qu'est-ce que c'est la gouvernance? C'est l'ensemble des règles que l'on choisit de se donner pour améliorer les décisions, mais surtout le processus décisionnel. Alors, comment, dans ce nouveau groupe d'administrateurs, vous allez être appelé à réfléchir, à discuter et à prendre des décisions pour le centre scolaire? Alors, une autre façon de parler aussi de la gouvernance, c'est les méthodes qui vont vous permettre d'assurer la pérennité de l'organisation. Veillez à ce que l'organisation réalise sa mission avec efficacité et efficience. Bien utiliser les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Tout ça avec indépendance, transparence et dans le respect des lois. En d'autres mots, on pourrait dire que la saine gouvernance, c'est de s'assurer d'être le gardien de la bonne gestion de chacun des centres. On dit en québécois, les conseils d'administration, les administrateurs vont challenger la direction et poser des questions tout en ne remettant pas tout ce qui a été fait en question. Et évidemment, on assure une certaine vigie sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance. Et ce qu'on veut surtout, c'est avoir une valeur ajoutée que les nouveaux membres de conseil d'administration vont pouvoir apporter. On pourrait se demander pourquoi quelqu'un voudrait décider de joindre un CA. Alors, il y a les pas bonnes raisons qui seraient assurément de vouloir avoir une grosse rémunération, ce qui ne sera pas le cas parce qu'il va avoir des petits jetons de présence qui vont être relativement modestes. On ne voudrait pas que quelqu'un souhaite joindre un conseil d'administration seulement pour ajouter à son CV qu'il siège à un CA. Ah, parce que quelqu'un lui aurait gentiment suggéré qu'il devrait ou qu'elle devrait se présenter. Alors, et on ne veut surtout pas avoir des gens qui sont là pour leur propre mission, parce qu'un des rôles du conseil d'administration, c'est d'être là pour l'ensemble des gens qui bénéficieront des services des centres. Alors, ce qu'on veut, c'est que les gens soient là pour la cause, pour l'impact. Participer à quelque chose qui est plus grand que soi. Participer particulièrement à la réalisation du plan de la réussite des élèves. Et évidemment, quand on joint un conseil d'administration, on va donner beaucoup, mais on va habituellement en retirer plus grand, c'est-à-dire qu'on va apprendre, on va partager, on va découvrir des nouveaux collègues qui vont nous permettre d'encore plus de mieux contribuer
à la mission de l'organisation. Dans sa sagesse, le ministère de l'Éducation a souhaité avoir une gouvernance qui est plus contemporaine que ce qu'on avait il y a quelques années. Alors, on parle d'un renouveau dans une continuité, mais avec une nouvelle façon de fonctionner pour être encore plus performant et pour se rapprocher notamment de la communauté. Et voyez-vous, on aura 15 administrateurs autour de la table, 5 membres par an, 5 membres du personnel et 5 membres de la communauté. Il y aura aussi 3 comités du conseil d'administration qu'on appelle dans le jargon les comités statutaires où on devra avoir des administrateurs qui vont souhaiter se joindre à ces comités-là. Et je vous dirais qu'une grande nouveauté sera probablement la réduction du nombre de réunions par année. Certains centres avaient de 12 à 24 réunions de conseil d'administration par année, plus des réunions de travail, plus des réunions du comité exécutif. Alors, ce qui sera probablement privilégié, c'est d'avoir entre 4 et 8 réunions par année, c'est-à-dire une au trimestre, et une réunion entre chaque trimestre, avec quelques réunions de rencontres de travail avant les CA et les rencontres des comités statutaires. Alors, ce sera une nouvelle façon de voir les choses et ce qui va nous permettre de pouvoir avoir seulement moins de 10 CA par année, ce sera probablement une approche beaucoup plus stratégique et macro, et j'y reviens dans quelques instants. Alors, gouvernance contemporaine, on aura la différence entre l'arbre, donc le directeur, la directrice générale et son équipe, et le conseil d'administration qui devra voir un peu plus la forêt comparativement à l'arbre. Alors, le conseil d'administration aura un rôle stratégique et beaucoup plus macro. Donc, il va s'assurer de faire les choses. Il va être le fiduciaire des avoirs du centre. Et le seul employé qu'il aura, c'est le ou la directrice générale. Par opposition, l'équipe de direction, la direction générale, donc la directrice ou le directeur général avec son équipe, va voir à la gestion quotidienne de l'organisation. On est plus dans la micro, dans le micro management. On va être dans l'administration, on va faire les choses, on va gérer le budget et la direction générale engage le personnel. Alors, on est vraiment dans une approche beaucoup plus stratégique avec le conseil d'administration, macro, par rapport à une gestion quotidienne. Quelques qualités qui seront recherchées pour devenir un bon administrateur. Je vous dirais, dans mon jargon à moi, j'appelle ça aussi l'ADN de l'administrateur fantastique. Alors, on va s'attendre à ce que les gens aient une certaine disponibilité. Quand je suis en classe, je parle souvent d'un petit quiz. Combien de temps on pourrait penser qu'on devra investir quand on joint un conseil d'administration? Alors, je vous dirais que techniquement, on est autour d'une centaine d'heures par année. Fait que si on le décortique, on est à peu près 2 heures par semaine, mais ce sera jamais vraiment 2 heures à tous les mercredis matins de 8 à 10. Ça va être éparpillé sur l'année en fonction des réunions de CA, notamment les trimestres. Mais quand on décide de joindre un conseil, il faut s'attendre à avoir une certaine disponibilité pour l'organisation. Alors, on va être autour de au moins 8 réunions par année avec les comités. Et si vous décidez de joindre un comité, il faut peut-être ajouter un petit 50 heures. Et dans votre sagesse, si vous décidez de postuler pour devenir président de conseil ou présidente de conseil, on pourra peut-être y ajouter un autre petit 50 heures. Alors, ça va être entre 5 et 50 heures. Alors, ça prend une certaine disponibilité. Évidemment, le centre aura déjà coordonné et planifier dans le calendrier toutes les réunions habituellement un an d'avance. Alors, vous serez capable de mettre ça à votre heure du jour, à votre agenda, mais soyez avisé qu'il y aura une certaine disponibilité. En termes de rémunération, ce sera un poste qui ressemble plus à un poste bénévole parce que la rémunération, le ministère devrait bientôt sortir l'enveloppe pour les jetons de présence, mais ça sera beaucoup plus modeste que ce qui était payé avant. Alors, on va vouloir aussi avoir des gens qui ont de l'engagement. Donc, ils vont se préparer, ils vont se pointer, ils vont parler pendant les réunions, ils vont prendre position, mais aussi avec un certain détachement parce qu'on ne veut pas que les administrateurs s'immiscent dans la gestion quotidienne qu'on appelle aussi la micro-gestion. On va vouloir rester macro et beaucoup plus sur le volet stratégique. On va vouloir avoir des gens qui ont une indépendance d'esprit. On va vouloir avoir des gens qui sont intègres et qui ont aussi une certaine transparence parce que c'est très important en vertu pour tout le volet éthique. On va vouloir aussi avoir des gens qui ont une capacité d'écoute. Je vous dirais que quand je fais mes petits sondages, quand j'enseigne, l'écoute est une des qualités qui revient régulièrement et très fréquemment.
On va aussi vouloir des nouveaux administrateurs qui ont une certaine patience. Parce que, je vous dirais, comme on dit en québécois, le learning curve ne sera pas 5 minutes. Ça va prendre quelques réunions de conseil d'administration avant que tous ces gens-là puissent apprendre à travailler ensemble, développer une nouvelle dynamique de travail. Et je vous rappelle, comme tout à l'heure, on va avoir 5 membres par an, 5 membres du personnel et 5 membres de la communauté qu'on appelle les cooptés. Au niveau des règles que le ministère a mis en place, il souhaite avoir des gens de la communauté. Il y a déjà 5 profils qui ont été énumérés. Une personne pourrait coter 1 ou 2 de ces profils-là, ou 3, mais quelqu'un qui a une expérience en éthique, ressources humaines, gouvernance, finance, comptabilité, gestion des ressources financières ou matérielles, milieu communautaire, santé ou culturel, le milieu municipal, la santé, services sociaux et des affaires. Et ce que je trouve fort fascinant, c'est qu'on devra tenter d'avoir quelqu'un entre 18 et 35 ans, et je pense que c'est formidable. Notre jeunesse nous permet de rester jeunes. En termes de qualité, une 3e diapo pour vous, diversité, complémentarité. Alors, on va avoir un mélange de savoir et d'expertise, de savoir-faire et d'expérience, et on va avoir aussi tout le volet savoir-être qui va, je l'espère, colorer vos réunions de conseil d'administration de la bonne couleur, alors avec une attitude positive. Puis je vous dirais que la dernière qualité, mais non la moindre, c'est d'avoir des gens qui vont être passionnés, qui vont être là vraiment pour les vraies raisons, c'est-à-dire la réalisation du plan de persévérance vers la réussite des étudiants. Alors, quelques diapos sur vos devoirs à titre de futur potentiel administrateur. Je vous fais la lecture de l'article 122 sur la loi canadienne des sociétés parce que ça résume très bien et c'est le penchant aussi pour le Québec, c'est la même chose. Alors, les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité, bonne foi, au mieux des intérêts de l'organisation. Avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Alors, je vous laisse avec ceci 2 secondes, et là, je vous amène, on va décortiquer tout ça. Alors, techniquement, on a 5 facettes à ne pas oublier quand on devient administrateur, dans nos rôles et responsabilités ou nos devoirs. On doit avoir un devoir de fiduciaire, c'est-à-dire d'agir dans le meilleur intérêt de l'organisation et non dans nos intérêts personnels. On doit avoir un devoir de loyauté. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se mettre en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts. Si jamais c'est le cas, on devra le déclarer, sortir de la salle et ne pas voter. On va devoir avoir un devoir d'honnêteté ou d'intégrité, si vous voulez. Alors, respecter la confiance qu'on nous a offerte en nous nommant comme administrateur et gérer les actifs de l'organisation en fonction des biens de l'organisation. Devoir de confidentialité, vous allez, dans votre mandat d'administrateur, recevoir de l'information confidentielle que vous devrez garder confidentielle. Alors, ça inclut parfois, et je comprends que les séances sont devant public, mais il y aura des volets de certains dossiers qui devront être gardés confidentiels. Et, dernier item, mais non le moindre, devoir de bonne foi, c'est-à-dire d'agir de bonne foi à titre d'administrateur. Le devoir d'administrateur, rappelez-vous qu'après avoir respecté toutes ces 5 facettes-là, l'administrateur est là aussi pour décider. Alors, il devra bien se préparer, prendre le temps. Je vous parlais tout à l'heure d'une 100aine d'heures. Ça ne veut pas dire que vous allez être 100aine d'heures en réunion, mais vous allez devoir vous préparer lorsque vous aurez reçu l'information de la direction. Alors, se préparer, vous allez discuter entre vous, entre administrateurs, vous allez analyser les dossiers, vous allez questionner, mais en bout de piste, une des obligations de l'administrateur, c'est de décider. Et la façon dont un conseil d'administration décide, c'est par voie de résolution où les gens votent. Alors, quelques conditions de succès pour relever ce défi avec brio. Ça va vous demander une préparation impeccable. Ce qui veut dire aussi que les rapports de la direction générale vont avoir été envoyés quelques jours avant, vous allez être capable d'en prendre connaissance, mais vous allez devoir vous préparer. Lecture des rapports, maîtrise des dossiers, de l'organisation et évidemment du plan d'engagement vers la réussite.
Alors, votre direction générale de chacun des centres devra vous rendre compte, donc vous faire des rapports que vous devrez consulter. Quelques autres conditions de succès? Bonne organisation, planification des travaux, conseil d'administration, comité. Je vous parlais tout à l'heure qu'on aurait probablement 4 à 8 réunions, donc une au trimestre, une entre les trimestres. Et votre direction aura, je vous suggère fortement, déjà identifié les dates dans le calendrier où les réunions auront lieu. Comme ça, vous serez capable de pouvoir vous libérer pour ces réunions-là. Et évidemment, le leadership du président du conseil sera très important. Ce sera quelqu'un qui sera choisi parmi les 5 parents. Et ce qu'on attend souvent d'un bon président de conseil avec du leadership, c'est une main de fer dans un gant de velours. Alors, si je résumais, je vous dirais que la chose à ne pas oublier, c'est que la responsabilité, elle est personnelle. Elle n'est pas de représenter un groupe qui vous aurait désigné. Alors, l'administrateur désigné n'arrive pas avec une commande d'un groupe, mais vraiment pour responsabilité personnelle, pour s'assurer qu'il représente l'ensemble des élèves pour cette réussite et non pas un groupe spécifique. Alors, je vous dirais que la chose la plus importante aussi, au-delà de tout ce qu'on vient de voir, si vous avez le goût de déposer votre candidature et que vous êtes nommé ou désigné, ben rappelez-vous que c'est toujours aussi un privilège de siéger à un conseil d'administration. Alors, préparez-vous!